8 mois après son départ de Douchy, Jérôme Rollin s'inquiète pour Alain Delon. Avec moi, il était bien nourri. Je prenais soin de lui. Et je m'aperçois que désormais, on ne fait plus rien pour lui, a confié l'ancienne compagne de l'acteur dans une interview accordée à Soir Mag. Il y avait une sorte d'effet miroir entre eux et il puisait sa force en elle. Hiromi était tout le temps à ses côtés et s'en occupait 24 heures sur 24, a analysé son ami, le journaliste Bernard Pascuito, dans le même média. Depuis qu'elle a été chassée de Douchy, il y a déjà au moins 3 infirmiers qui se sont occupés de l'acteur. Mais il ne reste pas, il ne supporte pas les accès de colère et de violence de Delon, a révélé celui qui prépare actuellement un livre sur l'acteur de 88 ans. Un ouvrage dans lequel on retrouvera de nombreuses confidences de celle qui a passé plus de 17 ans auprès d'Alain Delon. Jérôme Rollin était arrivée à Douchy en 2006. Un lieu dont elle a été chassée l'été dernier, au moment où son projet de mariage avec Alain Delon commençait, selon elle, à être sérieux. Depuis, les 3 enfants de l'acteur se déchirent au sujet de la santé de l'interprète du Guépard. Ce dernier a été placé sous le régime de la sauvegarde judiciaire. Depuis qu'elle n'est plus à ses côtés, il a perdu le goût de vivre, assure Bernard Pascuito dans les colonnes de Soir Mag. Avant de raconter, elle l'obligeait à sortir de son lit, à marcher, à faire des escaliers. Là, les enfants ont carrément collé le lit de Delon au milieu du salon et le laissent dormir toute la journée, bombardé de médocs, pendant que s'engueule autour de lui, vous parlez d'une ambiance, poursuit-il. Il ne considère plus Alain Delon en tant que personne, sinon déjà disparu, déplore Bernard Pascuito. Il n'existe plus et ses enfants n'ont pas de mal à faire leur deuil. Ils sont même en avance, tacle-t-il. Alain Delon, Brigitte Bardot, Romy Schneider, Mireille Darc. Ces femmes qui ont marqué sa vie et comme Jérôme Rollin, tombé dans un piège, a été chassée de Douchy dans le même article de Soir Mag, Jérôme Rollin raconte comme elle s'est fait évincer de Douchy le 5 juillet 2023. Ce jour-là, elle reconnaît être tombée dans un piège. Alain Fabien a demandé à son père que j'aille chercher un chien qu'il avait gardé en notre absence. Je suis parti en jean et en t-shirt avec juste un peu d'argent et un téléphone. J'ai embrassé Alain et je lui ai dit à tout à l'heure, a-t-elle expliqué. Elle ne l'a jamais revu. Si est-il la gendarmerie qui l'attendait à son retour. La plainte que les enfants d'Alain Delon avaient déposée contre elle notamment pour abus de faiblesse a été classée sans suite. Idem pour la plainte qu'elle avait déposée à leur encontre pour violence, vol et diffamation. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Itartas.